Bonjour à tous. Dans cette série de tutoriels, nous allons travailler avec le logiciel LibreOffice Calc, qui est un tableur, l'équivalent d'Excel. Et nous allons, comme exercice pratique, construire un emploi du temps. Vous aurez à le remplir à la rentrée, donc autant s'y intéresser au mois de juin. Pour cela, nous allons découvrir les fonctionnalités du tableur qui permettent de gagner du temps et d'être beaucoup plus efficace que sur un traitement de texte tel que Writer ou Word. En effet, ici par exemple dans mes cellules, vous voyez, j'ai des listes de choix. Je peux écrire par exemple géographie, vous voyez, si j'ai besoin de mettre 3 fois 30 minutes, eh bien il suffit de fusionner comme ceci. Voilà, je centre mon contenu comme ceci et puis ensuite je lui indique une couleur. On verra ici des petits paramètres, notamment ici l'intervalle et comment est-ce qu'on décide du début des cours. Parce que vous voyez ici on démarre à 9h et ensuite on incrémente de 30. Mais on peut très bien le changer, par exemple on peut mettre 8h45 comme ceci. Je fais accepter ou entrer. Et puis là, ici, mettre des intervalles de 15 ou même, attendez, 20 minutes. Comme ceci. Et vous voyez que sur l'emploi du temps, ici, on démarre à 8h45. Et les intervalles sont de 20 minutes. Alors évidemment, il faudra ici changer la pause déjeuner puisque je vais remettre donc 30 minutes. Comme ceci. Voilà. Et ici, on verra comment également faire des listes de choix qui sont ici, ce qui évite de répéter des actions qui sont assez ennuyeuses. Et on verra également comment on peut construire un petit bouton avec une macro qui permet de remettre à zéro votre emploi du temps. Vous voyez, si je clique ici, eh bien, ça me remet à zéro l'emploi du temps. Voilà. À bientôt pour un autre tuto.